كنتواجدوا بتراب عمله مقاطعه الحي الحسني لاحد الدواوير اللي عرفات يعني فيضانات. فقبل ما نطرقوا للتفاصيل التقنيه فيما يخص هذا الموضوع لابد من الاشاره لبعض المعطيات. فهاد الشتاء اللي عرفتها الدار البيضاء هي شتاء استثنائيه، لانه بلغ المجموع ديال التساقطات منذ بدايه هاد يعني هاد الحمله اللي بدات في نهار 3 اللي فات، وصل مجموع التساقطات ما يفوق 220 ملم في بعض المناطق. وهذا المجموع ديال التساقطات فهو كيمثل 60% من التساقطات السنويه اللي كتعرفها الدار البيضاء. كذلك كيمثل يعني واحد الشتاء اللي كتجي على راس كل 50 سنه. ففي هذا الاطار الشركه خدات جميع التدابير يعني باش تسير هذه الوضعيه يعني اللي كانت اكسبسيونيل يعني خاصه جدا. يعني جميع عمال وعاملات الشركه كانوا مجندين، فهم جندوا 24 ساعه على 24 ساعه من اجل يعني الحد من الاثار ديال هذه التساقطات، ووظفوا الاليات وسخروا جميع الوسائل من اجل المساعده ديال الساكنه. وكما كتشوفوا اليوم في هذه الدوار فالاليات خدامه، كاين اليات ديال الضخ متحركه، كاين اليات ديال الضخ يعني ثابته من اجل يعني المساعده ديال الاخوان والوقوف بجنبهم. يعني ظروف كانت خاصة، وهنا كنبغيو نشكروا جميع المتدخلين ما في ذلك السلطات المحلية اللي كنا دايرين معها عمل يعني ديال القرب وعمل جماعي، وكذلك الساكنة، لأنه هاد السكان راه تستاجبوا وراه كيف ما كتشوفوا تعاونوا مع الفريق وهذا. وهذه كذلك بهذه المناسبة كنبغيو نقدموا يعني اعتذار الإخوان والأخوات على صعيد يعني المنطقة اللي تضروا من هذه الفيضانات، ولكن خصنا نقدروا الموقف لأنه هي تساقطات استثنائية استثنائية بمعنى الكلمة. Actuellement, nous sommes dans un point qui s'appelle le pont Ouaine du boulevard Moulay-Slimane. Donc ce point, il a une caractéristique, il est déjà sur une voie pénétrante importante de la ville de Casablanca. Et en plus, c'est un point bas. Si vous pouvez le constater, au niveau de la voie, il est inférieur au niveau là où nous sommes. Donc naturellement, l'eau de pluie s'accumule. Et parfois, c'est ce qui est arrivé pendant ces derniers jours, à partir du mardi, la forte précipitation qu'il y a eu et les très grandes intempéries qu'on a eues. Donc il y a eu beaucoup de pluie qui s'est accumulée parce que normalement, ça dépasse donc, la capacité d'évacuation de nos réseaux. Donc c'est une pluie très importante qui ne peut pas être absorbée rapidement par notre réseau. Dans cette opération, nous avons mobilisé plusieurs équipes avec des engins. Donc des hydrocureuses, des aspiratrices, deux motopompes, tous ces moyens ont été mobilisés dès que nous avons eu l'alerte que des pluies allaient tomber sur la préfecture et sur Casablanca. Donc cette préparation nous a permis d'anticiper et d'enlever rapidement le surplus d'eau de pluie qui s'est accumulé. Bien sûr, cette opération ne peut pas se faire, on ne peut pas la faire tout seul. On a fait appel et on a travaillé en coordination avec, avec les autorités et avec la police, parce qu'on a besoin quand même de travailler tout en assurant une circulation sur le boulevard. Ici, nous sommes au niveau de l'autoroute Casarabat, au niveau du poste d'accueil. Ce point est très important parce qu'il connaît une circulation, comme vous savez, très importante. Donc ici, nous mobilisons, comme vous voyez, plusieurs équipes avec des engins, des pompes. Donc l'objectif de cette mobilisation est de se préparer à une éventuelle stagnation d'eau importante. Notre premier souci est de garder une circulation fluide. Donc tout ce que nous faisons, c'est de faire le maximum, on se mobilise au maximum pour que la circulation ne s'arrête pas. Cette opération, comme vous savez, se fait en coordination avec la police et les autorités locales. Donc si jamais le niveau d'eau augmente,
Donc on coordonne avec eux pour détourner la circulation vers un autre axe. Donc tout ça se fait d'une manière continue et nous restons mobilisés le temps que la situation revienne à la normale. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.